Ouais, salut. Ouais, j'ai dit à toutes en réalité, mais c'est pas à toutes du tout, hein. Parce que du coup, à toutes n'est pas là en question, quoi. Pourquoi j'ai vu des champs? C'est des champs que j'ai vus. Ah non, c'est à Londres. J'ai cru que c'était des champs, frère. Tarnata? C'est quoi ça? Milan. Oh Béga, alors c'est quoi la compo? Chic. Maldini. Ouais, je suis un nouveau Maldini. Et que Pobega, Maignan et Léao qui sont restés. Faut qu'on le garde contre la Juve. Et vu que lui il revient en 3 siècles. Non, en vrai, non, tu vas rester. Ouais, c'est bien comme ça. J'ai quoi? Oui, je mange un parisien. Oui. Le match. Ciao tutti, nous sommes à Milan au stade San Siro. Toujours une vraie joie de venir Il y ici. aura un beau le maillot de Au Milan. micro, bien sûr, il y a l'Argentin Pas aussi beau que le Omar maillot de l'Inter ou de Montella, la Juve, mais. français Il Benjamin Da Silva. Et nous y a sommes quand même de très la heureux gueule, de hein. retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Et c'est une magnifique fête Non, que en ce fait, je dis soir il est pour tout beau, le mais il est beau monde. que là, Des quoi. minutes juste En avant le réalité, il est match, moche, hein. toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. J'ai pépé. Ah, il y a un peu trop de Ouais, c'était dur, là. précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. On Et se oui, bute sur quand on voit 16. son nombre de buts, ce qu'on voit, c'est l'impact T'as un offensif gris ces stats, terrestre qu'il a frère. pour son équipe. Depuis le début du championnat, on a bien vu sa capacité à créer des C'est différences quoi ces et à stats de marquer zinzin qu'il a beaucoup de lui? buts. Je m'étonne que Giroud ait plus titulaire. Après même là dans la vraie vie, Giroud il fait moins le taf. Excellent timing sur cette interception. Et le Pas se pressing mentir, trop hein. porteur. Pour moi. Le ballon sort, c'est une touche. Aguilar. Ça va aussi là le pressing. Avec Oh l'interception putain. et le ballon est récupéré. Raphaël Léao. Pour eux. Oui, il sait bien Pour faire nous? ça. Touche Ah, je assurée. pensais c'était pour eux. J'aurais que de savoir pourquoi c'est à nous là. Parce que j'ai vu que c'était pour eux. Ou alors je suis juste bigleux. Ou alors j'ai oublié l'action. Ce qui est pas Le impossible en ballon vrai. progresse bien dans le camp adverse. Oh, j'ai mal joué. Ah, le ballon est capté sans aucun souci. J'aurais dû faire un centre. Mais oui, c'est une récupération. Raphaël Léao. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de la Fiorentina. Ça fait donc un but partout après 25 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Corner et une opportunité de passer devant au score.
Petite astuce, c'est jouer court. Eh oui, le duel est remporté. Touche. C'est Aguilar, lui ? Pas l'impression. Oui, le tir. Oh, c'est bien joué. Et c'est un ballon capté facilement. Je vois, bah, c'est un agressif, sinon je serais trop queue contre la Juve. Même si c'est encore Allegri ou non, en capitaine, là, en fait, on est sur la FIFA. Je suis hors-jeu. Position de hors-jeu signalée, il y a un peu de précipitation. Là, peu importe que ce soit Allegri ou non, qui tient la Juve sur FIFA, la Juve est trop forte sur FIFA. Et même si c'est tech de, tu vois, une compo de merde, c'est moins aggravant que dans la vraie vie. Du coup, Oui, le ballon dans leur du coup, bon. Triste, quoi. Oh, la Juve dans la vie actuelle, là, enfin maintenant, à l'heure où je parle, c'est trop triste. Hein. Non! La priorité, oui. Peu importe la distance, c'est cadré. Ça me va. Si tu veux marquer, il faut mettre beaucoup plus. C'est moi qui ai mal dosé. Hein. Les deux équipes sont beaucoup trop disciplinées pour faire des différences. Oh le bâtard. Ballon pour Patrick Schick. Non, je rêve où mon joueur s'est blessé avec mon joueur. En haut là. Ça m'a déconcentré, j'avoue. Occasion de mener depuis longtemps en très bonne position à la parade, mais le danger est toujours présent. Ah, et donc l'action s'arrête là pour eux. Le ballon en touche. Attention, très bonne occasion. Oui, la parade. Pas simple. Hein. Le corner. Et voilà, c'est donc la fin de la première mi-temps. Milan. C'est dur. Hein. C'est dur. Oh là là. Le coup d'envoi de la seconde période. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Attention à ce pressing très haut. Conscient, frérot, merci. Juste le temps de vous rappeler qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour ce match à venir. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Salmakers. Il n'y a pas Gallo sur le terrain, on est d'accord. Je l'avais enlevé, on est d'accord. Oh, pourquoi le jeu il lag là? Oui, je l'avais enlevé. Je me disais. Le ballon en touche. Donc le jeu lag. Ouais, c'est parce que je fais la conversion à MP4. 59%. Ruben Aguilar. Eh, vas-y frère, tiens. Ça va vous faire un appel. Très bonne séquence de construction en attendant la faille. Oh dommage. Ce ballon qui leur échappe. Le ballon pour Ruben Aguilar. Attention pour mener au score peut-être. Frère. Oh, il a raté son contrôle parce qu'il est jeune 80, il est jeune 60 quelque chose. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Quoi ça? Vieux Longo jeune 62 là. Aguilar il avait fait un boulot de monstre. De monstre. De monstre, vas-y je peux parler. Combinaison sur ce coup de pied arrêté.
Il y a un peu d'espace dans l'axe. Énorme non mais. Occasion, énorme raté, heureusement, c'est son regard. Et oui, mais. Mais. Part, ça peut mais. Expliquer sa déconcentration. Et je réagis même plus, frère. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça? Je suis très hypé par ce match qui arrive. La défense est battue. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Oh, la tentative! Et très bonne intervention du gardien. Alors, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Gallo. Attends. Faut le mettre à son poste. Oh, le jeu lag. Le corner bien tiré. But, enfin le premier but de ce match. Ça y est, la rencontre est débloquée. Le match va s'ouvrir et la fin va être excitante. Plus de doutes, d'hésitation, ni figue, ni pamplemousse. D'Artagnan à l'attaque. Un but extrêmement important. Le jeu il lag, ouais. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. C'est bien défendu, le ballon est récupéré. Ça se peut même gabarit, ouais. Alors il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Et oui, avec non, ça là. But pour la Sampdoria, on en est donc à 2-1 après 79 minutes de jeu. Ouais, c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Et les Rossoneri peuvent avancer là dans le couloir. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. La zéro physique, c'est horrible. Oh merde. Dinguerie ça. A toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Charles de Ketelaar. Le ballon vers Parejo. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ah, finalement, ça ne donne rien. Ah, j'ai loupé ma réception. Allez là, pourquoi pas frapper ? D'abord hors jeu ? Oh oui ! Oh, je le pensais hors jeu. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Mais c'est fini. Peut-être pas fini. Ah si, c'est fini. On s'arrête donc là-dessus, c'est la fin du match décidé par l'arbitre. C'est une victoire pour l'AC Milan. Toujours cette attaque généreuse qui nous offre des réalisations abouties, collectives. L'action est dans le collectif. Ah, j'ai mal au dos par contre, c'est horrible. Nique la conférence de presse, c'est bon. Ouais, c'est un peu long là. C'est pas qu'un peu long d'ailleurs. Ouais. Crène. On m'a déjà proposé. Non, je veux pas. Ils comprennent pas que je veux l'Italie. Hein. C'est ouf. Parce que de furet. Ah oui, d'accord, mais... D'accord. Tu veux, ouais. J'avais pas vu son salaire. T'es ouf toi.
Ouais, ça me bat ça. Il est devenu gêne 53, le pauvre. En même temps, t'as vu son âge et tout. Bon, après, t'as Ronaldo en parallèle. Il est encore plus vieux. Ah, je renouvelle pas mal de contrats, moi. Ah bah, parlons d'eux. Je sais bien. Juste bon Daniel Villa, quoi. Attends, mais du coup, s'il est à l'hôpital, je peux négocier quand même son contrat ou pas? Du coup, là, on dirait que oui, mais... Ah ouais, il est là. Oh, t'es crucial, frérot. Quoi, 2 ans? Oh, on va te mettre une prime, toi. Je vais relancer le jeu. Et là, ça galère. Hein. Town Park. Qui est ça? Ah bah tu vois, là il y a une vraie compo. Là tu vois, t'as une vraie compo. Là ils font un 4-3-3, là on va prendre cher. Parce qu'ils ont 3-5-2 ou 3-5-1-1, frère. Allegri va te faire reculer, quoi. Je suis désolé. Oh putain, il y a Chesney en plus au cage. Ah oh, ça va être chaud parce que... Kieza Vlahovic... Vlahovic, j'ai dit, je crois. Kieza Vlahovic, c'est très chaud à dur. Ah oh, mais Kenny, il est encore à la Juve alors que là, il part à Leeds. Mais genre un an avant, tu vois, c'est marrant ça. Ça fait des alternatives marrantes. Ouais, Bonucci, chiche, Traoré. Comment ça, c'est Traoré le capitaine, c'est même pas Bonucci, je suis abasourdi. Ok. Coucou Vexi, frère des joueurs, j'en sais rien de qui c'est, frère. Le jeu devrait être un peu plus rapide, la conversion est finie. Dans 17 minutes la conversion. Pour une vidéo d'1h30, 1h40. Je sais pas combien de gigas. J'irai 20, 3, j'irai 23. Oh là, Ovitch. C'est la grande attraction de ce match. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs. Il est sur une série assez incroyable. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Vlahovic est trop fort. On parle pas assez de son niveau. Kieza, c'est pareil. Kieza, tu le mets titulaire à sa bonne place, il te fait des buts d'anthologie, frère. Vivement qu'Allegri le remette titulaire à sa bonne place, là, ce fils de rat. Allegri out, pitié. Ouais, par contre, dose Vlahovic. Ce n'est jamais pareil. Le suspense toujours garanti. Mais la grosse intervention là. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Ça joue avec Zakaria. Ah non, il est perdu ce ballon. Alors, la compo de la Juventus. Ah ouais, je le vois Bouchi. McKenny sera associé à Zakaria au milieu de terrain et pour finir donc une seule pointe en attaque. La course au titre est lancée en haut du classement. On a au moins 3. Et Milan qui est premier. Oui, on est encore à la mi-saison. Là, l'Inter est remonté. Toutes les équipes tiennent le coup. Ça risque d'être un... Et le ballon part bien. Et la parade. Dingue. Quel arrêt. Quelle présence. Quel réflexe. À bout portant. C'est exceptionnel.
Non, Chiesa, tu marqueras pas. Je t'aime, Chiesa. A toujours en possession du ballon. Eh, le ballon chez. L'action n'est pas finie. Oh, merde. J'ai trop mal défendu, c'est ouf. C'est Vlahovic en plus qui marque. Putain. Mais je peux pas affronter Vlahovic et Chiesa, c'est deux putains de talents prometteurs. Sauf qu'Allegri, il fait ses compos de merde en faisant des 3-5-1-1 ou des 3-5-2 en mettant pas tout le temps Vlahovic et Chiesa titulaires. Et du coup, bah, ce que ça fait, c'est que du coup, il se développe pas. Et là, tu vois, sur FIFA, il se développe parce que le sélectionneur robot, il s'est dit, bah, la compo la plus probable et la plus logique, c'est une 4-3-3. Ah bah ouais, bizarrement, la compo, tu vois, la Juve, elle joue beaucoup mieux. Ah, bizarre un peu, hein, non? Désolé, je me suis énervé, mais parce que j'aime mon Chiesa, tu vois. Bizarre dit comme ça, mais tu vois. Bizarre, mais bon. Ah merde, dommage ça, par contre. Putain, fait chier, quoi. Chiesa. Combinaison, ça joue en deux temps. Vers l'intérieur pour aller provoquer, balle au pied. Ouais, super geste défensif. Oh merde. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un excuse. Carton. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. Excusez-moi, monsieur. Weston McKenney. Qui est à Leeds actuellement. Merci le mercato hivernal. Il a eu le dernier mot sur cette action. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. McKenney reçoit la balle. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Ouais, il y a un bon pressing. Oh putain. C'est trop dur. J'ai juste tanké la Juve en fait. Hey, duel remporté en défense, belle anticipation. Non, là je suis juste bête. Ouais, j'ai fait faute, ouais. Ah, je suis d'accord, et même moi j'ai fait faute. J'espère que c'est pas avec ça là, quoi. Ouais, Chiesa, il vient pas prendre le ballon, ce bouffon. Pardon, Chiesa, je voulais pas t'insulter. Voilà, t'as bien fait tirer, Chiesa, rattrape-toi. Enfin, non, moi, rattrape-moi. Enfin, t'as compris. On approche de la mi-temps pour l'instant. Tiamo, Chiesa, bro. La situation n'est pas dramatique du tout. Un but non n'est pas trop grave. Peut-être quelques petites actions techniques et tactiques sont nécessaires. Ça ne sert à rien de paniquer. Là, il y a un joueur, bah, il s'échauffe. McKenney. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oh, dommage. C'était presque calculé, honnêtement. Oui, c'est le premier but pour l'Udinese. Trop dur. C'est donc un but partout après 42 minutes de jeu. Merci et tenez-nous au courant de la situation. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. T'as heureusement qu'il n'y a pas Pogba d'ailleurs. Pogba, je voulais les repartir. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. L'action continue, c'est une bonne séquence. Ouais. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de s'y. C'est une torture. Vraiment. J'insiste. Le coup d'envoi de cette seconde période. Après, il y a le mercato, je crois. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Et je viens d'avoir l'info, un but a été marqué. T'as envie de jouer à Football Manager, sérieux, ça a l'air trop bien. Oui, il s'agit du coup. Je regarde, ça s'achète. C'est pas sur Steam. Un but à zéro, donc, après. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Ok, très bien, tenez-nous au courant. T'as envie de jouer à Football Manager, mais j'ai déjà FIFA, tu vois. Bien dans cette même si c'est pas pareil, tu vois. On s'en concernait. Putain, réveille-toi. Et oui, quelle énergie, quelle présence. Son football est électrique.
c'est son but qui a donné l'avantage à son équipe. Électrique. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Aguilar. Le ballon change de camp. Dommage. Weston McKennie. Ah, c'est pour Federico Chiesa. Et une attaque intéressante pour la Juve. Ça joue avec Zakaria. Et maintenant Federico Chiesa. Vlahovic avec le ballon. Ah, du mouvement pour... Mais putain, mais pourquoi tu vas pas... Voilà le but du break pour les Juventini. Genre vraiment mon joueur, je monte pour la droite. Il va pas à droite, j'ai pas compris. Tant pis, hein. C'est très bien vu de sa part. Ouais, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et nous voilà maintenant dans la demi-heure de jeu. La faute, l'arbitre siffle, coup franc à venir. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Je suis un bouffon. Le règlement est parfaitement appliqué. Prendre une correction par la Juve, frérot. La Juve qui perd le ballon là-dessus. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition. Oh, c'est trop dur. Vlahovic avec le ballon. Ouais, le ballon est bien intercepté. Oh! Et j'arrive plus à cliquer, ça y est. Excuse-moi. Mais genre, on va faire ça. Et ça, on va faire ça. Aussi en BU ? Non ? Mettre au beurre en BU sera mieux. Excuse-moi, mais ce que je viens de voir, c'est hilarant. Le ballon sort en corner. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Petite astuce, c'est jouer court. Non. Zébé. Mais. C'est un ballon en corner pour la Juve. J'ai rien vu, t'inquiète. Pourquoi pas, il faut essayer. Vlahovic avec le ballon. Tir contré sans difficulté. Oh là là, et cette reprise passe assez loin du cadre adverse. Sur ce genre de gestes techniques, si tu n'es pas bien sur tes appuis, le ballon a tendance à partir tout de suite vers le haut. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Et oui, avec le deuxième but en faveur. Et peut-être l'occasion de marquer. Oh, la bonne parade. C'est trop dur. Même McKennie, je le rattrape pas alors que c'est un joueur nul. Enfin, un joueur nul, non, mais c'est un joueur ok, quoi. Le 8 à 8 fier, j'en ai un. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Pogba à la réception. Pogba ? Ils ont fait rentrer Pogba ? Pardon de vous avoir coupé dans votre élan, mais priorité au direct. Et l'info importante, donc, c'est ce but de Sassuolo. Et ça fait 2-0. Les choses se précisent. Attention, l'occasion pour revenir. Ouais, l'intervention vitale. Ah, Goulard, il est KO. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Grosse bronca dans les tribunes. Le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Un super tacle dans la surface. Kulusevski. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et Pogba là qui perd ce ballon.
tous mes joueurs sont cuits là. Non, tous les joueurs pas remplacés sont cuits. Ouais. C'est la fin, ça y est, du temps avec une vraie désillusion à domicile. Ah, c'est trop dur là. Ouais, ils ont tous des notes pourries parce que c'est trop dur là. Y'a que le gardien qui a une bonne note, je suis abasourdi. Ah, c'est vrai que Genoa est en série A? J'avais oublié. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Ils sont trop forts. Pas rien faire. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Ils sont trop forts. Point. Avec de manque Villa toujours. Kiza, je t'aime, mec. Je prends le maillot genre de la Juve ou de quoi. Je prends le maillot de la Chiesa genre. Si je prends le maillot d'Italie, je prends le maillot de Chiesa. C'est un très bon joueur. Chiesa, mais je l'aime, frère. Libériamo il mister. Ah mais l'option d'achat quoi. Juste prêt quoi. On va se retaper la Juve. Ah, dommage. Ah bah enfin. Je vais aller dans le rapport recruteur, mais avant, en fait, faut que j'aille dans le centre de formation. Un MDAG. Quoi MD ou AG? Pourquoi c'est pas MG ou AG genre? Par rapport au pied fort, c'est ça? Même Rizzo, genre. Que toi, tu pars en prêt, genre. Toi tu te casses et du coup j'aurai lui. Mm.
Il a 38 ans. Chuche. Ça semble correct. Gros, si tu veux partir, tu peux. Hein. En train de s'améliorer là. De près de 2 ans, ils vont me ramener de l'argent là. Pépé, 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 pépé. Oh la sium. Putain, c'est quand tu reviens là. Oh, y'a Correa. Qu'est-ce qu'il fout la sium lui? Pourquoi y'a pas immobilé déjà? Déjà, j'ai envie de simuler le match. Oh, il a joué. Comme ça, je regarde mon tel. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Ça joue avec Felipe Anderson. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Elle est merveilleuse cette passe. Intervention du gardien. Combinaison, ça joue en deux temps. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Excellente intervention. Angel Correa avec la balle. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Interception réussie, ballon récupéré. Angel Correa. Voilà une attaque qui progresse bien. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Oh oui, oh là là, ce coup de pierre est incroyable. Ah, le match reprend. Oh, Gallo. Quel bon ballon. Mais coach, regardez-moi les perfs de Gallo. Et attention, ça peut payer là-dessus. Ouais, la parade. Non. C'est sur le montant, ça joue. Et au final, ça ne donne. Putain, on joue le même style de jeu. Sauf que eux ils sont en 4-3-3. Felipe Anderson. Ça joue avec Weigl. Luis Alberto. Felipe Anderson. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Et très bonne intervention du gars. Putain, on a même pas la possession, je suis abasourdi. Et l'arbitre elle a vu la Felipe Anderson et le gardien était bien vigilant. Un corner qui est bien ajusté. Le sauvetage du gardien. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Et voilà. Ouais. Ok. On va se retaper la Juve, là. Je vais me les refaire. Pas aimé la défaite. Oh, mec. Plein de messages. Oui. Ok.
Ça me va. Marché des transferts est maintenant ouvert. Ah. Oh, on va voir que ça là. Oh, c'est le buteur. Wesh, on dirait Mané. Le mec qui était à la caisse. Je jure. Let's go, Mancuso est là. Dieu d'Angelo. Il est où l'autre là? Ah mais Coppola, tu vois, maintenant j'ai envie de le garder. C'est lui Pierre Longo. D'accord, c'est lui Pierre Longo. Bah bienvenue dans l'équipe Mancuso. C'est quoi je voulais? Plus. Du Longo. Ah. Ils sont chiants aussi là. Oh, pas là là. Bah même toi, j'ai envie de te mettre sur la liste des prêts. Ah. Tiens, en théorie, du coup, on devrait moins souffrir parce que on a Mancuso. Juste mettre leur NT. Couleur. J'ai tennis dans 2 heures. Bienvenue à toutes et à tous. On a de la chance d'être installé ici dans l'Allianz Stadium de Turin pour vous servir, pour vous faire vivre ce match. Oh, il est trop beau, putain. Benjamin da Silva, et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Et l'affiche est belle. Le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence! Le ballon change de camp. Ah ouais, là je sens que c'est un autre joueur. Par rapport à D'Angelo ou même Pierre Longo là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il sort en corner. En fait, j'ai appuyé sur la touche il y a longtemps, sauf que je pensais pas que ça allait le faire. Du coup, de ma POV, c'était très marrant. Nouveau corner à jouer. Et ce corner est joué court. Oh, la frappe au but. Et oui, but. Déjà 1-0. Tu peux arrêter d'être trop fort, Chiesa, s'il te plaît. Je sais que je suis un mauvais défenseur de base. Mais là, s'il te plaît, Chiesa, genre...
Genre, s'il te plaît, Chiesa. Peut-être que pendant une frame, j'ai cru que c'était Vlahovic. Hein. Parce que je pensais pas que Chiesa ferait des tirs aussi puissants. Ouais. Oui, sans faute. Oula, je suis en retard. Zakaria. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Kulusevski reçoit la balle. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais, j'avais un joueur. Le ballon vers Jorginho. Le gardien. Bon ça, Jorginho. Grande difficulté. La pression sur le porteur. Ruben Aguilar. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Attention pour égaliser. Oui, bien défendu. Oui, c'est bien anticipé. La passe est coupée. Mmh, bien défendu. Ah, le bâtard, il m'a... Oh ! Weston McKennie. Ma carotte. Pour Jorginho. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et c'est vers Aguilar. Le ballon pour Ruben Aguilar. Il y a péno. Et pénalty. Péno parce qu'il y a cette faute dans la surface. Ah oui, il y a Jorginho. Non, c'est un autre Jorginho, c'est pas possible. Toujours sanctionné. Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Le pénalty est raté, c'est non cadré. J'ai pas réussi. J'ai raté un péno. Toujours un peu risqué. Ah ouais, mais en fait, ouais, je sais pourquoi je l'ai raté. On fait jamais des pénaux. En fait, à chaque fois. Avant, je suis arrivé à faire des lucarnes, mais je le cadrais quasiment pareil. Mais du coup, je sais pourquoi j'ai pas réussi là. Bien placé, Vlahovic. La gueule, Vlahovic. Aucun danger, ballon facile. Je vais donner la balle. Les joueurs, ils ont zéro réagi. Et j'ai moi-même pas réagi. Du coup, c'est marrant. Le ballon pour Federico Chiesa. Oh non, j'ai jaune là. Voilà une bonne occasion de creuser l'écart. J'ai pas jaune ? Putain, je pensais. Superbe parade, extraordinaire. J'ai loupé un péno, frère. Je suis en train de tilt. L'équipe tente une combinaison. Oh oui, la frappe, c'est contré sans problème. Ah, sobre mais efficace, super intervention. Le corner pour la Juventus. Et le staff décide donc de faire un changement. Et ça joue dans un petit périmètre. Et c'est un nouveau corner à tirer. Corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon pour Federico Chiesa. Attention là, Federico Chiesa. Ah, elle est contrée cette frappe. Vlahovic. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. L'arbitre signale le corner. C'est le 7ème corner. L'équipe essaye un corner à deux. Attention la frappe. Ouh, c'est contré, in extremis. Quoi? Penalty, oui, penalty. Il y a eu quoi? Vraiment mal pour cette équipe. Il y a eu quoi? Le penalty c'était déjà un coup dur, mais l'exclusion en plus, c'est la double peine. Et oui, mais il faut. Ah, le gardien repoussé, attention ce ballon qui traîne. Et cette action s'arrête là. Le coup de sifflet de l'arbitre, donc la mi-temps à l'Allianz Stadium. Déjà, je viens d'arrêter un péno. Hein. Je me rends pas compte. Mais pourquoi il y a eu rouge? J'ai fait quoi? J'ai pas vu ce que j'ai fait en fait.
J'irai voir après. Allez, c'est reparti. La deuxième mi-temps à l'Allianz Stadium. De toute façon, faut push. Hein. Non, un joueur en moins, il faut push quand même. Weston McKenney. Federico Chiesa, il a du champ là dans le couloir. Bah ouais, logique, il y a un joueur en moins. McKenney, surtout qu'il est de ce côté. Ah, le public attend une frappe. Ah, la frappe est bien contrée. Chiesa reçoit le ballon. Corner et pourquoi pas une bonne tête afin de prendre le large. Ta gueule, c'est ce qu'ils vont faire. Un corner qui est bien ajusté. La défense est c'est bon, heureusement que j'ai joué. Reçoit la balle. Ah, dommage pour l'attaque, c'est contré. Eh vas-y, ça me saoule, c'est 46 corners d'affilée là. Vas-y, on va faire ça là. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Federico Chiesa vers le cœur du jeu. Et le tir vers la cage désertée. Ouais, je peux plus. On va passer en très offensif, hein, je suis obligé. Bah bah. Je suis obligé de faire de l'ultra offensif. Oh toi t'es con. Ballon dangereux de Vlahovic. Bien reçu dans le dos de la défense. Placer une frappe en finesse dans cette situation, quelle bonne idée. Encore fallait mettre le ballon au fond. Et c'est raté. Oui, le ballon est intercepté. Chiesa reçoit le ballon. Kulusevski. Oh oui, bon, j'arrive pas à croire que j'ai arrêté un péno quand même. Le jeu reprend et pour la Juventus, il y a une avance confortable avec ses 3 buts d'écart. Ouais, la bonne intervention, touche. Le ballon pour Ruben Aguilar. Ouais, c'est bien, l'intervention là, elle est décisive. En plus, c'est un ballon de contre à jouer. Elle frappe contrée sans souci. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Oh, chier. Bon, ça, Benjamin Pavard. Attends. Intervention. Et voilà ce coup de sifflet final qui est synonyme de défaite à l'extérieur. Oh merde. Putain, j'ai raté un péno, ils ont raté un péno. Sauf que moi, je l'ai pas cadré et que moi, je l'ai arrêté. C'est ouf. Non, je le garde. D'accord. J'avais pas vu que j'avais la Copa juste après. Oh non, mais attends, mais je joue. Attends. Je me disais, attends, je vais pas jouer avec un carton rouge. J'étais en train de bugger mentalement dans la tête, là. On va falloir bien jouer contre Cagliari. Allez. Bonsoir à tous. La nuit est magnifique au-dessus de ce stade et des conditions. La Copa, c'est le seul truc qu'on peut réussir. On a hâte que ça commence. On n'a pas Vital quoi. Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris et donc dans un instant le coup d'envoi de ce match éliminatoire et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. C'est un match qui s'annonce très intense, comme toutes les rencontres à élimination directe.
C'est l'essence même de la compétition qu'on retrouve aujourd'hui. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Bien parti dans le dos. Elle parade, mais le ballon est toujours en jeu. Ouais, ce ballon est dégagé. J'avais une occasion. Marine. Un ballon intercepté, bonne intervention. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il y a un bon pressing. La balle est interceptée. Oula. Ah, la frappe longue distance. Facile dans les bras du gardien. Non, mais putain, mais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, l'enfer. Je suis déconcentré là, c'est une dinguerie. Enfin, je suis pas déconcentré, mais j'arrive plus à me mettre bien dans le jeu comme j'étais tout à l'heure. Ouais. Le ballon en touche. C'est vraiment à gauche que j'ai visé. Je suis fatigué, j'en peux plus. Pourquoi il me vise à droite, enfin en haut alors que je vise à gauche? Là je vise en haut. Là je vise en haut. Voilà. Attends, Guerra. Très bonne progression, balle au pied. A toujours en possession du ballon. Mais putain, j'ai visé à gauche! Le ballon sort en touche. C'est une dinguerie! Je deviens fou. J'ai envie de lui faire un gros tas glissant en arrière là. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Oh, la bonne parade! Sacre ambiance avec le public qui vibre avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Je le ferai plus tard. Le corner, c'est dégagé, aucun problème. Putain, c'est ouf. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oh, la faute et du coup... Quoi, y'a quoi? Y'a rien eu, frère. J'ai même pas touché au la manette. Et le coup franc était cadré, mais oui, c'est cadré. Capté par le gardien. Pas besoin de voir les statistiques pour mesurer la timidité des deux équipes. Si tu te retiens pour jouer, jamais tu... Ferme ta gueule. Il faut pas jouer pour neutraliser l'adversaire. Il faut jouer pour le déstabiliser. Et on passe par le côté. Et attention, la faute dans la surface. C'est un pénalty. Bon, là... Pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Mais quoi? Ça, c'est manqué, la frappe passe vraiment très loin du but. La position, l'équilibre du corps au moment de la frappe n'est pas adéquate. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Elle sort de là, frère. J'ai vraiment fait le même geste que tout à l'heure, mais en beaucoup moins vers le haut et la droite. Mais genre vraiment beaucoup moins, genre j'ai à peine bougé. Genre, moi j'ai fait ça, genre attends. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Je suis pas fou.
Putain, j'avais un péno. Ça me casse les couilles, putain. Et je vais pas aller en simulation, là, c'est la Copa. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Simulation, c'est déjà moins fun un peu. Enfin, ça dépend. Après, rentrer Gallo après. Ah bah si lui, il loupe son contrôle aussi. Avec Ibrahim. Le point sur le marché. Immobilier à Newcastle, ok. C'était encore au stade de la rumeur. C'est ça qu'à la Lazio tout à l'heure, il n'y avait pas Immobilier. Immobilier a signé à Newcastle. Et oui, il a une carrière bien remplie. C'est sans doute le dernier beau contrat pour lui. Bonne séquence d'attaque placée. Ouais, après à Newcastle, quoi. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Marine. Oh là là, la passe est complètement ratée. Une attaque et le danger se rapproche. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Allez, bien joué, il efface son adversaire. À l'occasion de faire parler sa frappe. Gragnon, quelle intervention ! À une occasion de contre, à négocier. Sans Vital sur un galop, je peux pas gagner un match. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ouais, je suis hors jeu. On peut aller au but. Attention, c'est dangereux. Et non, finalement, parce qu'on va s'arrêter là, il y a un hors-jeu qui a été signalé. Et le remplacement peut avoir lieu. Juste l'occasion, voilà, de vous rappeler le programme qui nous attend ici pour vous mettre en appétit. Comme il dit, c'est le jeu de maintenant. Oh, je tape Milan après. C'est ça. Je suis très hypé par ce match qui arrive. Putain, mais tous les gros matchs sans Pierre, sans Papier, pardon, sans Daniel Villa. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ouais, laisse-toi tomber tant que tu y es. Oui, bah oui. Très bonne progression, balle au pied. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, l'option de la contre-attaque est possible. Arrête de me manger dessus là. Le tir part bien. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Non. Frapper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique. Bon, le sens où il y a les prolongues. Le Coppola, de toute façon, il est pas ouf. Hein. C'est un temps fort de la rencontre. Il faut aller chercher le but de la victoire. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et il se défait là de l'adversaire direct. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Ouh, le ballon qui traîne et finalement hors-jeu. Il me disait, il y avait hors-jeu, je comprenais pas. Et le staff décide donc de faire un changement. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Putain, je crois que c'était Gallo. Ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Le drapeau s'est levé hors jeu. Ouais, ça va, la prolongue. C'est terminé. L'égalité est parfaite. Prolongation.
J'ai pas d'MC. Sur un T en tir, il a combien? 41. Par ça. Oh la merde. Faire comme ça. Oh la merde que c'est. Goulard va falloir te faire rentrer hein. Désolé frérot mais va falloir hein. Faire du faire sortir Gréco plus tard alors. Et c'est parti pour cette première mi-temps de prolongation. Allez. Ça part très bien. Excellente intervention. Putain, je sentais bien cette action, fait chier. Voilà, c'est joué court. Il frappe, tir contré, sans difficulté. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage, le coup de sifflet. Finalement, on revient à la faute. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. Ça va aussi. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Oh, je veux pas que ça aille au péno par contre. Voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Quelques secondes pour temporiser. Oh, et la parade. Et le remplacement peut avoir lieu. Petite combinaison. La mi-temps. Et ça y est, c'est donc la fin de cette première mi-temps. Putain, 0-0 quoi. Deuxième mi-temps de la prolongation, c'est dur, mais il faut tenir jusqu'au bout. Et même le jeu, il suit pas là. Je sens là qu'il suit pas. Ouais, bien joué. Merde. Mes joueurs en fait en défense sont cuits. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Petite astuce, c'est jouer court. À une sortie déterminée qui lui permet de bien capter le ballon. Ruben Aguilar. Putain. Oui, le ballon dans leurs pieds. Mais wesh. Un but dans les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale. Long ballon aérien, la défense se soulage. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ouais, bien fait, il est passé. L'occasion de prendre l'avantage. Oui, 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 oui. Oui. Merde, j'ai craché sur l'écran. Juste avant les pénaux, tout ce que je voulais pas. Oh merci Gallo, c'est Gallo je crois. Putain j'ai craché sur mon écran, dégueulasse. C'est bon. Putain. Oh. Frère, y aller avant les pénaux, genre l'action se terminait, y avait les pénaux.
c'est chirurgical. Merci Gallo, je t'aime, ti amo Gallo. I love you Gallo. Et mental Gallo. Parce que là voilà, le match est fini. Voilà. Putain. Avec cette qualification pour le tour suivant. Oh la vache. Et c'est parti dans... Oh le vache. Un cousin, il a eu un raté, ouais. Ah, de l'autre côté, il y a aussi eu un manqué. Putain, c'est ouf. En fait, j'avais tout donné sur le match d'avant, du coup, j'avais les joueurs KO de base un peu. Surtout Gallo d'ailleurs. Merde, j'ai craché sur mon micro. La balle est dans notre camp. Il n'avait eu aucun mal. La chance n'a rien à voir là-dedans, frérot. Voilà. Abbiamo finito. Grazie del suo tempo. Ouais bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement la réponse que je voulais mettre. Roberto Greco. Ça veut dire quoi ça? Un prêt à court terme. Si c'est à court terme, genre jusqu'à la fin de la saison, ça me va. Le retour du blessé. Oui. Ah merde. Bon, il sera ton tour prochain match. Oh, Goulard, on va pas le faire jouer, j'ai compris. Faire un truc, juste faire ça, mais pour faire ça derrière, tu vois. Putain, le match était dur. Je jure, le match était dur. Salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Excusez-moi. Oh, le rec est un peu lag là, non?
Ça rendait bizarre sur mon rec. Côté Milan, voici le 11 qui va débuter. Kondogbia sera accompagné de Dani Parejo au milieu de terrain. Seul à la pointe de l'attaque, Patrick Schick. Ouais, je t'en veux, ça va. Et un peu de liberté pour les Rossoneri sur l'aile. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et à signaler ce chiffre concernant Milan, c'est l'équipe qui marque le plus de buts cette saison. C'est l'équipe dont ça me fait rire par contre. Et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Parce qu'il n'y a plus Giroud. Et duel remporté en défense. Je rigole pas. Je dirais que je dis ça avec ironie, mais je rigole pas. Hein. Le ballon est dégagé. Ça me rend triste même en vrai. Les Milanais qui reprennent ce ballon. Bien taclé pour récupérer la possession. Rafael Leao. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Du coup, c'est plus le meilleur buteur, Villa. Qui était pas là pendant 2 mois et dont genre je sais pas combien de matchs là. Avec Ibrahim. Attention pour mener au score peut-être. Et voilà. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Mancuso, let's go. On revoit ce but à Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez. Tout l'art d'être au bon endroit, dans le bon moment, c'est ça, le buteur et le bonheur. L'engagement de la part de l'AC Milan, il faut réagir après ce but encaissé. Je vais écho mes joueurs en mettant défensif. Et sur le côté, l'AC Milan a de l'espace. Milan, corner. L'occasion de revenir au score peut-être. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Dani Parejo avec le ballon. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le ballon, une nouvelle fois, capté par le gardien. Mais... Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. C'est quoi le joueur de temps en temps? Ouais, le plongeon et la bonne parade. Pourquoi l'autre qui était à moitié assis, là? C'est joué court. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. C'est-à-dire que Milan aujourd'hui, ils sont en train de flop. Ils ont fait genre 5 défaites d'affilée. Dont 2 défaites face à l'Inter en vrai d'ailleurs. Non, ils ont fait 6 défaites d'affilée et 2 nuls. Depuis le retour de la Coupe du Monde là. Et là, ça passe largement à côté du cadre. Qui ? Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Un Gallo, tu restes là, c'est mort. Oh, je peux réussir à l'avoir. Ah, le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Je vais faire en haut. C'est rendu direct. Oui, putain. Oh la vache. Salmakers. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Milan. Et c'est une frappe. Ah non, c'est contré. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Goal, 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 goal. Je troll, frère. Les deux équipes au même niveau. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera 1 minute de temps additionnel. Et ici l'occasion pour mener. Et voilà, dommage. Attends, mais j'ai troll. Eh, vas-y, je suis dépité.
Ah ok. Côté t'as Juve Turino, ils ont fait 0-0. D'ailleurs on va juste voir. Non c'est classement, c'est où là? C'est là. Ah, on est 11ème. Ah, on a moins de genre but pris encaissé là. X en bas. Oh la Spedia. Chiche. Ça devrait être eux mes vrais rivaux et non Parme là. Quoique. En fait, normalement ça joue entre Parme et la Spedia, mais. Mais il y a débat quoi. Putain, ce top 6 là. Fiorentina 45 quoi. Sassuolo, ça m'étonne aussi ça. Salut Gréco. Ouf. 6 mois, ça me va. Ça me va. Hein. T'as vu ce que c'est son salaire? Faut que je le monte. Ciao, Oman. Option d'achat, elle me fait chier quoi. Eh ben voilà. T'es la Talenta? Ah non, Atlanta. On vit là, là. Le mon ref. Ok. Aussi. Attends. Ah merde. Ouais, il est de retour, Villa. Ah si non, non on va laisser quand même Euro City titulaire, je pensais remettre Aubert mais en vrai faut que j'enlève un MOC là, faut que je laisse un MC. Accueil équipe. Sept jours, ok. Alors on a un collectif de zinzin. Enfin. Quoique. Ça me va.
J'arrive pas en fait à changer. Mais... C'est quoi L ? Attends, je vais réessayer. Eh, je vais le négocier manuellement, c'est bon. Ah, mais j'ai pigé ce que c'est en fait. Oui, non, ça me va. Ah, mais j'ai plus de budget. J'ai plus de budget, j'avais pas vu. C'est passé quoi? J'ai plus de budget. Bah pour peine, je fais simuler. Ah, oh, peut-être pas dû. Ah non, j'ai cru que c'était la simulation rapide, ok ouf. Bah tu sais quoi? Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Ah, j'avais peut-être oublié le détail du budget. Mais pour moi, il m'en restait assez. Avec Ibrahim. Allez, il va falloir essayer de trouver une faille. Oh merde, j'ai mis Aguilar. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Eh oui, le bon réflexe. Jordan. Zaniolo. On n'a rien vu, hein. C'est ça que je voulais faire. C'est extrêmement serré tout en haut du club. Oh merde. Une blague, Coppa Italia Milan genre. Je vais pleurer genre. Les huitièmes de finale qu'il y a. Pourquoi j'ai pas de l'Aternata là? Genre, je vais être sur Antina, je suis content de pas les avoir. La tienne même poli, bon, ok, Milan frère, je les ai affrontés deux fois il y a pas longtemps. Ça rend ouf. Il n'y a pas Villa. C'est chier. C'est quoi? Je vais t'écouter. Franchement, je vais l'écouter. Je remplace qui? Attends. Voilà. Oh, je vais le tryhard le match.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Milan, installés dans les tribunes de San Siro. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Et tout de suite, le coup d'envoi de ce huitième de finale très attendu. Et on le sent déjà à l'ambiance générale, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. Le statut des favoris, c'est flatteur et c'est même plutôt justifié. Mais l'équipe locale ne doit pas se laisser bercer par les éloges et rester concentrée sur l'objectif. En tout cas, le public est là pour leur transmettre toute l'énergie nécessaire et les pousser jusqu'au tour suivant. Et pourquoi pas, de loin. Et non, finalement, ça n'inquiète pas le gardien. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Je sais, c'est lui qui m'a mis un doublé la dernière fois. Forcément, ça lui a donné un boost de confiance. Oh, j'ai mal fait la passe. Kondogbia. Là, c'est Milan qui tente de porter le danger. Ouais, le gardien fait ce qu'il faut. À deux, pourquoi pas, il faut essayer. Merde, je regardais pas. Excellente intervention. Ruben Aguilar. Très bonne parade qui vient sauver le nul sur cette action. Il n'y aura pas de nul, frérot. Une bonne réaction maintenant. L'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Superbe intervention dans la surface. Pour nous. Ballon sorti, corner à suivre. Petit jeu court. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Et duel remporté dans la surface. Pourquoi c'est pas le Milan d'aujourd'hui là que j'affronte, bordel? Patrick Schick à la réception. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Aguilar. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Wesh. Ouais, bien défendu, sans faute. Rafael Leao. Rafael Leao. Ouais, c'est une phase de préparation intéressante avant le décalage peut-être. Et le gardien était bien vigilant. Non. Oh, la faute, la sursautacle. J'avais une occasion. On va dire l'arbitre là-dessus. Et l'arbitre estime du puté, frère. Ça m'est pas juste. Gabia, je te déteste. J'avais une bonne occasion, frère. Non, du coup, ça m'a déconcentré. Très bonne lecture du jeu. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions là. Ah, la perte de balle. L'action se poursuit. Et la frappe. Et c'est au fond. Voilà. Il tremble. Voilà comment bien s'installer dans la rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. Oh, juste avant la mi-temps. Let's go. On le revoit se
Qui veut remplacer Gallo? Non. Aubert, tu rentres plus tard. C'est une Coppa Italia en plus. Déjà la Juve 2-0, chiche. Je sais pas qui je me tape après. J'espère pas la Juve, parce que bon. La Juve, je veux bien l'avoir en finale si je joue en finale. Alors c'est GTA Nana et qui gagne contre l'autre équipe, ça me va moi. J'ai envie de tenir la balle frère du coup. Là c'est pas comme la Coupe de France où j'ai joué avec le PSG. Mais là c'est pas le même délire quoi. Let's go! Non, je fais pas de remplacement tout de suite. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et après deux défaites contre vous, là, c'est bon, je dois gagner. En Serie A, là c'est en Coppa Italia, je vais encore plus tryhard, t'inquiète pas. Salmakers. Ouais, bonne idée, c'est bien fait ce ballon. Bien vu, ouais. Je joue en style défensif en plus, genre logique. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ça sort. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Bien en style défensif, ouais. Il faut avoir l'intention de marquer, pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. On constate effectivement que la possession est pour l'équipe visiteuse et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. Oui, mais il faut aussi être capable de bien défendre et de récupérer le ballon. Et oui, voilà, oh, le but est beau. Le but est beau, je pourrais rien faire. C'est encore ce bouffon de schnick là. Putain. On mettait Giroud là. Il n'a plus qu'un but de retard, tout est encore possible. Bah, je suis bien content d'avoir mis l'autre but du coup. Avec Ibrahim. On va le faire courir. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah. Non. Maman. Ils sont trop morts. Un Kouzo, j'aimerais bien le remplacer par Villa, bizarre. Mais je peux pas. Kondogbia. C'est une récupération du ballon sur cette action. Bizarre ce moment là. Mais c'est fait. Maintenant, le transfert est acté. C'est un magnifique transfert. Blaze à Aston Villa. Oh mon pauvre. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Là, le ballon est récupéré sur cette interception. De Ketelar. Rafael Leao. Le ballon vers Miranda. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et voilà un ballon perdu trop facilement. Et moi, j'ai effacé un de mes joueurs tout seul. Ouais, que j'aurais dû jouer le contre au lieu d'attendre mes joueurs. Du coup, attendre les ennemis. Je vais le regretter. Mec tout seul en haut là. Patrick Schick, l'égalisation manquée sur cette. Non. Énorme occasion. Vu le temps qui reste à jouer, c'était sans doute. Je fais pas de changement exprès. Hein. Si jamais il me fait une 2-2, prolongation, on aura des joueurs chauds. Au programme des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Serie A. L'AC Milan affrontera la Sampdoria. Ah, j'ai cru qu'on allait encore les affronter, c'est vrai. Je suis hypé, c'est ça. Je suis très hypé par ce match qui arrive. Concentre-toi, putain. Ça me déconcentre le fait de regarder comme ça. Pour essayer d'égaliser. Mais la grosse intervention là. Ballon pour Patrick Schick.
Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Oh, attention à ce ballon. Et c'est dedans. Le but pour le doublé magnifique. Il est beau. Il n'y a pas de secret. Il est beau. Mon bébé. Je vais en quart. Les performances sont exceptionnelles. Et j'ai pas fait de remplacement, mon gars. Ce but inscrit, ça fait 3-1. Juste pour le plaisir. Hein. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Oh, let's go. Tiens, juste pour le plaisir. Et c'est fini. Oui. Donc de ce duel à l'extérieur, qualification pour le prochain tour. À souligner cette performance toute en autorité et une qualification. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Latium. Oh putain. Non, moi j'affronte logiquement Rome du coup, si c'est les deux en bas contre les deux en haut. Ça me bat, j'affronte pas la Juve. Je pense à Rome si c'est entre Juve, Latium et Rome. Je pense que c'est Rome les moins dangereux. Rome et Latium, il y a un débat, mais je pense que c'est Rome. La ringraziamo per aver accettato di parlare. Ah, quoique, en vrai. Hein. Ça, je voulais pas le remplacer lui. Lasciamo andare il mister Kering. Putain, mon cousin, on a déjà marqué 8 des buts. Putain. La Coppa Italia, logique, en même temps. Ouais, mais je peux pas renouveler. Travaille pour progresser, frérot. Attends, non, janvier 2024. J'ai un an d'avance sur ma vie, là. Ouais, Genoa. Eh, tu sais quoi, frère? Hop! C'est pour le plaisir. Ah, mais il y a le retour d'Aubert. Attendez. Il y a le retour d'Aubert, de Villa, pardon. Oui, mon pote Villa! Pardon. Si on peut vendre D'Angelo éventuellement, du coup. On va voir ce qu'on va me proposer au mercato. Hein. Théoriquement, moi j'ai besoin de. Rien. Quoique, si. Ouais, Mossé est bien fort, mais.
Le rapport. Ah, nous n'avons pas la RIP. Je vais pas m'acheter un joueur. Merde, j'ai fait quoi? Bah tant pis. Laurent, on voulait pas le vendre de toute façon. Mais pas Aubert. Mais si je mets tous mes joueurs en vrai, par contre, ça va pas le faire. Aubert. On a que des attaquants en prêt, genre on a aucun défenseur en prêt, genre. C'est bugué. C'est bugué. Oh, j'ai plus de thunes. Ah!
J'arrondis à 20 millions. Voilà. On va juste faire... Et on va mettre Aubert titulaire. Bon, je vais pas tarder à stopper moi d'ailleurs. Putain merde. Ouais, faut que j'arrête. La voix bien en dessous d'ailleurs. Salut à toutes et à tous, quel plaisir. Logique. Nous sommes bien installés dans notre... Ah du coup il est capitaine ou pas? Merde c'est Gallo. Faut que je remette Villa. Aussi vous êtes bien installé pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. On vous emmène tout de suite en Italie pour ce match de Serie A. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Et voilà, on y est. Quel plaisir de nous retrouver ici. On fait quoi? D'assister au coup d'envoi et de voir ce qui nous réserve ce match. Bon, ça me va, moi. Super, le geste défensif et le ballon est envoyé en corner. Petit jeu court. Ouais, la bonne intervention, touche. Ballon bien dégagé. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. À une occasion en or. Ouais, ah, je pouvais pas tirer. Et le match n'a pas encore débuté, mais on a beaucoup entendu son nom récemment. Quelques semaines ont passé depuis sa blessure et sans trop de préparation, l'entraîneur choisit quand même de le titulariser. C'est plutôt une surprise. Oui, même s'il n'est pas à 100%, l'équipe a certainement besoin de son talent, de sa spontanéité. Même s'il n'a pas encore récupéré le rythme de la compétition, malgré sa blessure, il reste un élément essentiel de cette équipe. C'est un ballon récupéré, mais la défense est toujours sous la pression. J'ai redoublé son salaire aussi. Allez, c'est joué court. Ah, mais du coup, je comprends pourquoi je pouvais pas en fait. Le truc de tout à l'heure là. En fait, j'avais plus de thunes. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Toutes les conversations avant ce match. C'est son nom qui revient sans cesse. Guerra. La décision n'est pas encore complètement prise, mais la retraite en fin de saison est une hypothèse. Ah ouais ? Pour le club, ça serait une très mauvaise nouvelle, parce que c'est une pièce essentielle du dispositif tactique. Mais quel âge le Boug ? Après, ils ont dit ça pour Messi pendant pendant mon ancienne carrière, là. Ils ont dit ça 2 ans de suite, il a jamais bougé. Hein. Donc nique les rumeurs. Circulation là pour déstabiliser la défense. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Attention pour mener au score peut-être. Oh là là, Aubert. Désolé, je peux pas renouveler, hein, mais je jure, je veux. Celui qui fait beaucoup de bien au mental. On a pesanteur. Ce match donc 1-0 au tableau d'affichage. Manuel Locatelli. Robert. Très bonne intervention. La projection dans le camp de l'adversaire. Excellente défense. Le bâtard, il a pris la balle.
Le ballon change de camp. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Un très bon match, oui. Occasion avec cette frappe. Le ballon n'entre pas et donc logique, le score reste inchangé. Il rend blessé lui. Une opportunité de se mettre au chaud avec deux buts d'avance. Raté. Chier. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. Ouais. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouf. L'orienter. C'est un passé, il n'y a eu rien. Ouais, il me fait peur lui. À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Ouais, ça c'est bon. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Oh, le tir ! Non ! Ça heurte le montant, ça revient, c'est pas fini ! Dommage. Et le pressing sur le porteur. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Quoi ? Du nouveau du côté de Manchester United avec cette arrivée maintenant confirmée par le club. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et il remporte dommage. Bien défendu. L'orienter. Ah non, il est perdu ce ballon. Le ballon pour Ruben Aguilar. C'est ça que je voulais faire. Et ça s'affiche. On profite donc pour vous rappeler ce qui nous attend. Et oui, quand tu... Attention ! Ouais, c'est un ballon pour les gants du gardien. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Locatelli. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. L'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Sérieux là ? L'arbitre fait un choix, pas de carton jaune sur cette faute. Ah, même pas de carton ? Ah ouais. Mais attention, parce que l'arbitre risque de l'avoir à l'œil pendant tout le match. À l'occasion, peut-être ici. Ah, le bon geste défensif. Je n'ai pas pu faire la passe. Et j'en profite pour vous rappeler le programme qui nous attend. Deux équipes très intéressantes. Oui, c'est bien fait. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Ah, le porteur est sous pression. Ah ouais, je trouve pas. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Le ballon en touche. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement.
grosse tension pour ces 5 dernières minutes avec toujours ce petit but d'écart à préserver. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. 1 minute de temps additionnel. Ouais, voilà ce pressing important qui permet de reprendre la possession. C'est terminé, l'arbitre qui siffle. Ouh. Et donc les 3 points de la victoire. Ah bah avec Villa c'est autre chose. Putain, avec 7 tirs, on dormait frère dans ce match. C'est Rome en Coppa Italia du coup ou pas? Ouais. 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 On est mort. Putain. Merde. Nanana. Il n'y a que 34 ans. Gestion d'équipe. Capitaine à Villa. Putain de merde. Il me reste 6 euros quoi. Ah non, 6 000 ? Non, 6 euros. Vas-y, je vais arrêter là, moi. Putain, ça va être la merde de retour contre Rome au Coppa Italia. Bon, salut les gens. Faut jouer au tennis. Chiche.